Bien, écoutez, bonjour à tous. On fait le top départ. Bonjour, Raymond Charbonnier, président de Territoire Énergie 44. Merci de votre présence. En fait, on en a fait une lundi matin. On en fera d'autres s'il faut, hein, puisqu'on essaie de toucher le plus largement possible. Vous avez dû recevoir il y a quelques jours plusieurs courriers. Relatant les difficultés qu'on a à l'heure actuelle, entre autres avec nos entreprises de travaux, dont une plus spécifiquement, mais d'une manière générale, on a ce qui est normal, des problèmes par rapport à nos marchés de travaux qui ont fortement augmenté. Les entreprises pour lesquelles on travaille, travaillent pour nous, ont eu des impacts de masse salariale très importants, des coûts de matériaux qui ont énormément augmenté, des coûts de matériel également. Donc, l'ensemble des services de TE44 se sont mobilisés, donc, entre autres le CODIR, Christelle Humsky, la directrice, Luc Giraudeau, Anne-Sophie Namard. Pour essayer de proposer une nouvelle organisation et de prise en charge de ces augmentations qui ont un impact, et qui ont un impact pour le syndicat TE44, qui est le syndicat des collectivités. On est tous des élus en place, hein, le comité est dirigé par des élus. Donc, à chaque fois qu'on prend une décision, on est bien conscient que ça peut impacter les collectivités. Et donc, on le fait tout ça avec parcimonie, en essayant de peser le pour, le contre. Mais à un moment donné, on ne peut pas soustraire au fait que les entreprises ont des grandes difficultés. Il faut d'une part les soutenir. Et on est arrivé comme ça à faire une augmentation de 7% en moyenne des marchés travaux. Étant entendu qu'une des entreprises qui travaille pour nous, elle dénonce le marché puisqu'elle demandait une augmentation carrément de 30%. Voilà. Donc, au-delà de ce qu'on va pouvoir vous dire, vous détailler, l'idée, c'était de vous rappeler aussi que l'année dernière, on a eu ce genre de problème et que le coût renchérissement des travaux était d'un million, que TE44 avait pris intégralement en charge sur ses réserves, mais ces réserves, elles ont tendance très sérieusement à diminuer, ce qui peut avoir un impact sur la suite des possibilités de faire des travaux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on fait un point pour vous expliquer pourquoi bah, demain ça coûtera un peu plus cher et bien que on en prenne aussi, encore une fois, une part. Voilà. Donc, Christelle, ou Luc, je ne sais plus qui commence à la suite. Voilà, chers collègues, le point qu'on pouvait, enfin, l'intro qu'on pouvait faire. Merci beaucoup Raymond Charbonnier. Florence Mercier, je suis responsable communication à Territoire d'énergie Loire-Atlantique. Pour le bon déroulement de ce webinaire, quelques consignes pour commencer. Merci de bien vouloir couper, s'il vous plaît, votre micro et votre caméra pour assurer une bonne bande passante. Le webinaire, comme je vous disais, est enregistré et vous recevrez par mail prochainement le support de présentation ainsi que le replay de la vidéo. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à utiliser la messagerie instantanée à droite de votre écran et nous prendrons un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Les intervenants de ce webinaire, donc Raymond Charbonnier, que vous venez d'entendre, qui est président de TE44, Christelle Humsky, qui va vous présenter le déroulé du webinaire, directrice générale des services. Anne-Sophie Lamarre et Luc Giraudeau qui vont se partager ensuite tout l'ensemble du déroulé. Anne-Sophie Lamarre est directrice générale adjointe à l'administration, aux finances ainsi qu'à l'informatique. Et Luc Giraudeau est directeur général adjoint aux activités opérationnelles.
Micro. Christelle, ton micro est coupé. Je vais maintenant donner la parole à Christelle Homsky qui va vous présenter le sommaire. Merci. Bonjour à tous. Merci Florence, merci Raymond. Donc, le séminaire va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, on vous présente le contexte global. On vous présente aussi les marchés travaux à l'échelle de 44 que vous ne connaissez pas forcément. On vous fait un petit rappel aussi de ce qui s'est passé cette année et de ce qui s'était passé l'an dernier sur les mêmes sujets. Et puis, on vous présente les impacts finalement des décisions du comité syndical sur les marchés et sur les travaux de 2023. On zoomera en particulier sur le cas d'une des entreprises que Raymond a évoqué rapidement en introduction. Et puis, on terminera pour vous redonner un petit peu de perspective sur ces décisions et cet objet vis-à-vis du projet de mandat global de TE44. Donc, comme l'a dit Florence, on prendra vos questions via le chat, donc au fur et à mesure ou à la fin. Mais en tout cas, on aura un espace de questions-réponses orales à la fin. Merci à toi, Anne-Sophie. Merci. Donc, le contexte économique général, eh ben, c'est le même pour nous que pour vous, que pour vos propres collectivités. Aujourd'hui, on a vécu tous collectivement la crise liée à la pandémie du Covid, donc dans les années 2021. En 2022, on a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a impacté directement toutes nos économies avec une flambée des prix d'énergie. On a déjà eu l'occasion d'en parler lors des commissions territoriales du printemps, l'augmentation des prix des matières premières. Et puis en 2023, la crise est marquée aussi par une poussée inflationniste dont on parle régulièrement. Et du coup, ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, TE44, on a un contexte qui est a priori favorable pour nos entreprises, puisqu'en fait, malgré la crise, on a une dynamique de territoire et de commandes publiques qui perdure. Mais pour autant, nos entreprises locales, elles sont confrontées au renchérissement des coûts de l'énergie et puis au renchérissement également des matières premières, le carburant, le cuivre, l'aluminium, qui sont les matières premières principales qui sont utilisées pour nos travaux. Et puis, en parallèle, il y a une augmentation aussi importante des coûts salariaux, avec également une pénurie de personnel qualifié et puis des turnovers qui sont importants avec un contexte de faible taux de chômage. Et donc, c'est difficile d'avoir des équipes et de les garder. Et donc, la conjonction de tout ça, ça conduit à une altération aujourd'hui de l'équilibre des marchés contractualisés par territoire d'énergie Loire-Atlantique. Je vais laisser Luc présenter les marchés de travaux. Donc, le petit point, c'est je vais vous présenter du coup le marché de travaux et le marché de maintenance aujourd'hui. Ce sont les deux marchés qui sont concernés par un impact sur des évolutions de coûts et d'organisation. Donc, on a aujourd'hui un marché de travaux avec 8 titulaires. C'est un marché avec 10 lots, mais sur lesquels il y a 8 titulaires, parce que certains ont plusieurs lots. C'est un marché qui est valable un an, renouvelable 3 fois, et qui a été engagé d'avril 2021. Alors, avril 2021, c'était lié à l'impact Covid, il y a eu un peu de décalage, jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, les prix ont été établis en été 2020, et on applique sur ces marchés-là une révision annuelle au premier de chaque année. C'est sur ce point-là qui va générer du coup des petits éléments de décalage qu'on va vous présenter juste après. Donc, sur la partie aujourd'hui du marché, sur les fameux 10 lots, on vous a remis une carte qui schématise du coup le découpage géographique avec les entreprises attributaires sur ces marchés-là. Donc, il y a les fameux 10 lots avec les couleurs qui correspondent et les entreprises qui sont affectées à chacun de ces lots. Ensuite, sur la partie liée au marché de maintenance, donc le territoire est découpé en 4 secteurs avec 4 titulaires. Le marché est un peu différent, il n'est pas valable un an, il est valable 2 ans. Il est renouvelable une fois, mais il est valable sur la même période que celle précédemment du marché travaux, donc du 1er janvier 2021 jusqu'au 31-12-2024. Mais les prix ont été établis de la même manière à l'été 2020 et ils sont actualisés, enfin ils sont révisés de la même manière au 1er janvier de chaque année. Donc on vous a remis la carte pour schématiser du coup ce que je vous ai dit préalablement, donc avec du coup les 4 secteurs et les entreprises concernées sur chaque secteur.
Alors, schématiquement, pour structurer l'introduction, et on va rentrer dans le détail après du pourquoi de la chose et des impacts financiers, on a eu les premières alertes sur les évolutions et les difficultés que rencontraient les entreprises au mois d'avril, puisque les équilibres financiers n'étaient plus tenus. Donc, on est en relation du coup avec les entreprises en direct, mais également avec les syndicats professionnels. Chaque entreprise fait partie d'un syndicat professionnel en général. Donc, on vous les a mis en pompette, ça s'appelle le CERS ou le SRER. Ce sont des syndicats professionnels d'entreprises de réseaux électriques. Au mois de mai, on a eu du coup une rencontre entre les syndicats et le TE44. Suite à cette rencontre, on a décidé de consulter pour définir le périmètre légal des actions que le TE44 pouvait entreprendre donc avec la préfecture. Et la préfecture, du coup, nous a rassurés et nous a donné le cadre dans lequel on pouvait intervenir. En été, on a eu d'autres échanges avec les syndicats professionnels pour du coup redéfinir ensemble des scénarios qui seraient équitables pour tous. Et puis, en septembre, on a consolidé assez rapidement la validation des propositions. On a eu un retour validé par les syndicats professionnels et les élus ont pu du coup discuter et délibérer au comité du 28 septembre les décisions qu'on va vous présenter. Un peu de rappel, en fait, dès 2022, on avait déjà été amené, comme l'a rappelé notre président, à soutenir nos entreprises en mettant en œuvre la théorie de l'imprévision. Du coup, on répète à nouveau les éléments de contexte. Donc, effectivement, en 2022, il y avait la crise post-pandémie, la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières et de l'énergie. Et donc, à l'époque, on a considéré qu'on était dans un bouleversement temporaire de l'équilibre du contrat, avec une situation exceptionnelle. Et donc, à l'époque, la seule solution réglementaire qui était possible à l'été 2022, c'était l'application de la théorie de l'imprévision. Et donc, comme l'a indiqué notre président, TE44 a été amené à prendre en charge directement sur ses fonds propres 1 million d'euros pour soutenir à la fois l'activité des entreprises titulaires du marché de travaux et aussi équilibrer, garantir l'équilibre budgétaire de nos adhérents, donc vous. Pourquoi en 2023, cette théorie de l'imprévision n'est pas réplicable? Eh bien, en 2023, c'est la deuxième année, donc on ne peut plus considérer que la situation est exceptionnelle. Donc, la théorie de l'imprévision n'est plus, est non applicable. Du coup, il a fallu envisager, comme l'a indiqué Luc et le président, de nouveaux leviers, conformément aussi à des évolutions réglementaires qui sont intervenues en septembre 2022. Et donc, du coup, ce qui a été possible, et c'est pour ça aussi qu'on avait sollicité la préfecture au printemps de cette année, eh bien, ça a été de modifier les modalités de révision des marchés, puisqu'on vous a indiqué qu'aujourd'hui, on était sur une base de révision annuelle au 1er janvier de l'année. Aujourd'hui, on a des marchés qui sont déconnectés du contexte économique inflationniste. Donc, on rappelle, effectivement, les marchés ont été lancés à l'été 2020, donc avant un certain nombre d'éléments dont on a déjà parlé, dans le contexte, avec une révision annuelle. Et aujourd'hui, on a des indices nationaux de révision des travaux publics, donc les index TP12, qui sont en augmentation constante et inédite depuis début 2023. Pour illustrer cette déconnexion, on a deux courbes. Tout d'abord, la courbe qui concerne le marché de travaux. En bleu sur la courbe, vous voyez le coefficient de révision qu'on utilise aujourd'hui, qui est un coefficient annuel. Donc, c'est pour ça que ça fait un trait tout droit. Donc, on révise avec un coefficient de 1,088. Et puis, en haut, en bordeaux, vous avez finalement le calcul que ça donnerait si on appliquait une formule mensuelle. Donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus que l'écart se creuse. Et finalement, on voit bien qu'en avril, au moment des premières alertes, eh bien, on a eu une très forte augmentation du coefficient. Vous avez la même illustration pour le marché maintenance éclairage public, puisqu'effectivement, on voit bien cette même déconnexion avec la courbe bleue, donc avec un coefficient de révision annuel qui se situe à 1,04, et puis un même décroché, alors qui a eu lieu en avril et puis qui a continué à s'accentuer. Voilà. Donc aujourd'hui, la déconnexion, elle est réelle ces courbes le matérialisent. Au niveau des leviers qu'on a retenus pour compenser l'inflation, sans surprise, je dirais, le passage à une révision mensuelle du coefficient de révision de marché.
Et puis, un deuxième point qui est aussi une évolution qu'on a pu valider avec la préfecture, de prendre en compte l'inflation à hauteur de 100% au lieu de 80%, 85% antérieurement. Donc ça, on a proposé de le faire pour 2023. Et puis, dans une mesure de prudence par rapport à, effectivement, nos fonds propres et puis les vôtres, on analysera la situation sur ce quatrième trimestre 2023 pour voir s'il y a lieu aussi de répercuter cette même mesure pour l'année 2024. Mais pour l'instant, voilà, c'est une mesure qui ne concerne que cet exercice en cours. On a également pris en compte une revalorisation des coûts de terrassement sur les effacements de réseau. Donc, c'est une spécificité du marché public de travaux. Effectivement, historiquement, on avait des coûts de terrassement qu'on avait souhaité contenir. Mais aujourd'hui, la déconnexion aussi, elle est trop importante. Et pour les entreprises, c'est plus possible de faire face. Et puis, dernière mesure, la rétroactivité de ces différentes mesures aux bons de commande qui ont été émis depuis le 1er janvier 2023 et qui ne sont pas soldés à date. Donc, toutes les opérations qui sont soldées de notre côté et de votre côté ne sont pas concernées par ce que je viens de vous présenter. On vous a proposé un petit focus sur les formules de révision avant et après. Donc, du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sur le coefficient de difficulté, ce qu'on avait dans notre marché et ce qu'on prend en compte désormais. Quelles sont les incidences de ces mesures sur notre budget et les vôtres? Alors, ces mesures représentent un surcoût total de 1 832 000 euros TTC, ce qui représente une augmentation de 5,5% par rapport au budget qui a été voté pour 2023. Et ensuite, il y a une répartition de ces surcoûts entre les demandeurs, donc à hauteur de 647 000 euros, et puis prise en charge par territoire d'énergie Loire-Atlantique, 967 kilo euros. Donc, comme l'a indiqué notre président en introduction, TE44 prend à nouveau 1 million d'euros sur ses fonds propres et prend aussi la majorité des surcoûts à sa charge, sachant qu'au-delà de ces surcoûts sur des prestations externes, il faut aussi compter finalement le temps de gestion interne de ces évolutions qu'on a estimé à environ un demi équivalent temps plein, le temps de traiter tout ce qu'il y a à faire pour le mettre en route. Comment ça va se passer par rapport à vous directement? Un premier rappel, c'est qu'aujourd'hui, les participations des adhérents, elles sont calculées sur le coût réel des travaux. Donc ça, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est délibéré, ce sont nos règles de financement aujourd'hui. Par contre, notre comité syndical, vos représentants, ont décidé que pour tous les bons de commande et tous les dossiers qui avaient été initiés du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 et qui n'étaient pas soldés, eh bien pour limiter l'impact sur vos finances, la majoration des terrassements ne vous serait pas répercutée, ce qui représente 7% environ. Et puis, sur les dossiers maintenance EP, c'est pareil, le comité syndical, vos représentants ont décidé de ne pas vous répercuter ces surcoûts. Alors là, pour le coup, c'est parce qu'on a des montants individuels qui sont faibles et donc du coup, on aurait eu des coûts pour appliquer ces majorations qui auraient été trop importants au regard des sommes en jeu. À partir du 1er octobre, comment ça va se passer? Eh bien, du coup, la durée de validité des avis de participation, qui sont aujourd'hui annuels, eh bien, on est amené à les limiter, puisqu'on ne peut pas garantir des prix sur un an au regard du contexte inflationniste. Donc, on va réduire cette durée de validité à 3 mois, de manière à limiter les évolutions de l'inflation entre le moment où on émet l'avis de participation et le moment où on commence les travaux, environ 3 mois. Et puis, on va aussi prendre en compte dans les avis de participation qui vous sont adressés un coefficient d'inflation de 3% pour limiter les ajustements au moment où on appelle les soldes de participation. Vous donner des éléments un peu plus concrets. On a fait une simulation sur un impact direct vers vous en prenant du coup les cas de figure les plus impactants dans les bases de données qu'on avait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pris les dossiers les plus importants sur les 5 grandes catégories sur lesquelles on intervient aujourd'hui, c'est-à-dire les renforcements et sécurisations, les alimentations électriques, les effacements électriques, l'éclairage public et le génie civil télécom. On rappelle que sur une affaire d'effacement électrique, vous pouvez avoir l'effacement électrique,
l'éclairage public, mais aussi le génie civil télécom, parce que quand on fait un effacement, bien sûr, on procède à l'effacement des trois parties. Donc on a fait une simulation pour vous donner un ordre d'idée sur les cinq dossiers les plus impactés, qui sont déjà engagés aujourd'hui, et on vous a mesuré du coup l'impact pour chaque catégorie de dossier. Donc sur la partie renforcement et sécurisation, il n'y a aucune participation, puisque c'est le TE44 qui gère l'intégralité des coûts, et donc, automatiquement, il n'y a pas d'impact vers les adhérents, puisque c'est le TE44 qui absorbera du coup la différence. Sur un dossier d'alimentation électrique, l'impact a été mesuré et simulé dans le cas le plus défavorable à 7 710 euros, ce qui représente 3,5% pour une opération de 338 000 euros, ce qui n'est pas un impact significatif, étant donné qu'on a bloqué la partie liée aux coefficients de révalorisation des terrassements. Excusez-moi, je me trompe de ligne, c'était l'inverse, c'était 3,5. Sur la partie ventilation électrique, par contre, ça va là-bas, et sur la partie effacement, on n'est qu'à 6 950, soit 5,1% parce qu'on a bloqué la part liée aux effacements de réseau. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Concernant l'éclairage public, on est avec un impact pour un dossier à 142 000 euros, à une augmentation de 3,5%, soit 4 000 euros. Et sur un dossier de génie civil télécom de 48 840 euros, ce qui est un gros dossier télécom, qui est souvent associé à d'autres dossiers d'électricité, on n'est qu'à 2170 euros, ce qui représente 5,1%. Donc un impact moyen estimé aux alentours de 5%. Sur les dossiers, alors en fonction de l'étape sur laquelle votre dossier est rendu, on a différents modes de traitement. Dans le premier cas, dans le cas numéro 1, il y a une estimation qui a été envoyée à la collectivité, mais sur lequel il n'y a pas eu de retour validé de votre part. Donc, l'estimation sera actualisée pour tous les dossiers qui ont moins de 3 mois et qui ont été émis, du coup, après le 1er juillet 2023. Dans le deuxième cas, les estimations qui ont été validées par la collectivité avec lesquelles il y a une étude en cours. Vous avez validé l'estimation, vous nous avez donné l'autorisation d'engager l'étude. Donc, on a engagé l'étude et donc l'avis de participation sera actualisé. C'est-à-dire, une fois que l'étude est terminée, on vous envoie un avis de participation qui tiendra compte du coup de ces évolutions. Dans le cas numéro 3, l'avis de participation a été envoyé, mais vous ne l'avez pas validé. Du coup, cet avis sera actualisé par un annulé remplace pour que vous puissiez signer du coup le bon avis de participation qui aura été actualisé. Et puis, dans le cas où vous avez validé l'accord de participation et que on va engager les travaux, que les travaux sont en cours et qui ne sont pas soldés, du coup, il y aura un montant actualisé à l'avis de solde de participation. Voilà les quatre figures qui ont été identifiées aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs cas de figure également, enfin, plusieurs autres marchés qui n'ont pas été pris en compte dans le cas de ces revalorisations. Le TE44 intervient aussi sur des ouvrages ICE, des infrastructures de communication électronique, sur lesquels on a plusieurs marchés, soit de référencement d'ouvrages, soit de maintenance, puisqu'on intervient pour votre compte dans la gestion de ces ouvrages. Sur ces marchés-là, compte tenu du périmètre d'intervention de ces marchés-là et de leur durée et les engagements qui ont été pris aujourd'hui, il n'a pas été pris en compte du coup de revalorisation sur ces marchés-là. Et sur les marchés IRVE, d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, on est sur un marché groupé à la maille Pays de la Loire. Et il y a déjà une revalorisation qui a été prise en charge en 2023 à hauteur de 40 kilos euros et qui a été prise entièrement par TE44. Alors, on a un cas particulier qui concerne l'entreprise Eiffage. Donc, certains d'entre vous sont peut-être sur le territoire des deux communautés, de la communauté de communes sud-estuaire et de la communauté d'agglomération de Pornic Aglo Pays de Ré. Sur ces deux territoires-là, forment en fait un lot chez nous qui est aujourd'hui attribué à Eiffage. Donc, sur ce secteur-là, Eiffage, qui a fait pourtant partie des négociations autour de la table avec les syndicats professionnels, ils ont, depuis le mois de juin, menacé de poser l'appel. Et ils ont refusé de prendre en compte un certain nombre de commandes, pratiquement toutes les commandes à partir de juillet, mais ça a commencé en juin. Et on a décidé du coup de les rencontrer rapidement, dès le 13 juillet. Et du coup, Raymond Charbonnier et Patrick Bertin et Jean-Pierre Belleil ont rencontré du coup les entreprises, enfin, cette entreprise-là,
qui a fait part du coup de ces difficultés locales de gestion et d'organisation. Donc, le 15 septembre, on a validé ensemble avec les syndicats professionnels la revalorisation des marchés qui vient, on est en train de vous présenter. Et le 21 septembre, l'entreprise Eiffage a décidé de ne pas reconduire le marché pour 2024. Donc, on est sur une fin de contrat au 31-12-2023. Eiffage s'est engagé à poursuivre les études jusqu'au 31-12. Mais il souhaite entamer avec nous une négociation pour ne pas réaliser l'intégralité des travaux qui seraient à pourvoir dans le cadre du marché, puisque le marché ne sera terminé qu'au 31-12. Donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel dossier sortira ou pas. On est dans les négociations actuellement. On a déjà eu un échange là, récemment. J'ai vu déjà passer quelques échanges, notamment sur l'agglomération de Pornic sur un dossier sur Sainte-Paul-d'Anne, mais il y en aura peut-être d'autres, et d'autres qui seront peut-être pas concernés. Mais aujourd'hui, TE44, en tout cas, travaille sur un nouveau marché, et on devrait avoir la pérennité et la continuité de service à partir du 1er janvier 2024 pour aller au bout de l'année 2024 avec de nouvelles entreprises qui travailleront sur le secteur. On ne sait pas encore comment, mais on y travaille et on reviendra vers les communautés concernées pour leur faire le retour consolidé. Donc je vais laisser on va laisser la parole à Christelle qui va nous Christelle Huski, notre directrice générale des services, pour nous parler de TE44, collectivité mutualisatrice de l'énergie publique. Merci Anne-Sophie. Donc pour vous donner un peu l'étendue, on va dire, du sujet du côté TE44, depuis le démarrage du syndicat il y a 84 ans maintenant, l'idée est bien de mutualiser à la fois les expertises et les moyens techniques et financiers au service des réseaux d'énergie en premier lieu. Et donc aujourd'hui, on vous a sorti sur la base du budget 2023 hein, l'équilibre qui se crée sur chacun des chantiers qui sont effectués sur chacune de vos communes. Donc si on prend par exemple la première colonne du graphique, on voit que sur des chantiers d'électricité ou sur le sujet LA Geodata qui concerne les données géomatiques des réseaux, quand une commune choisit de faire un chantier qui pèse 100, elle en prend donc 25% à sa charge et TE44 en finance 75%. Quand on prend un chantier d'éclairage public, c'est plutôt 56% à la charge de la commune et 44% à la charge de TE44. Et sur les infrastructures de communication électronique, on est à 61% pour l'adhérent, 39% pour TE44. Donc, on mutualise les expertises et les coûts aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça que dans l'exercice qui nous concerne aujourd'hui, on prend aussi une part, évidemment, cette part-là de l'augmentation du coût des travaux. Donc, ça permet aux adhérents toujours aujourd'hui de faire des économies substantielles sur les travaux demandés à TE44. Et ça nous permet aussi de mutualiser, on va dire, ces augmentations. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Si on prend un peu plus de recul encore, nos élus, donc notre président, nos 7 vice-présidents et l'ensemble des 24 délégués TE44 au comité syndical ont élaboré un projet de mandat en 2021 qui court jusqu'à 2026. Et vous en voyez ici les 16 objectifs qu'on a déjà partagés lors des commissions territoriales avec vous. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait comme exercice aujourd'hui auprès de vous, c'est vraiment... Ça rencontre l'objectif 1 qui est vraiment de clarifier nos engagements avec vous, d'être totalement transparent et de négocier pour vous auprès des entreprises une augmentation qui soit la plus raisonnable possible. Donc on adresse aussi l'objectif 3 qui est d'assurer notre mission d'autorité organisatrice au service de la politique énergétique du territoire. Et puis bien sûr, on travaille sur garantir un accès à un service pour tous au coût le plus juste, même si... On déplore évidemment, comme vous tous et comme sur tous les autres sujets au-delà des travaux, ces augmentations de coûts. En tout cas, on essaye d'être le plus juste par rapport aux entreprises, par rapport aux collectivités, évidemment, sur l'ensemble du sujet. Et puis, on évalue, on partage l'impact de nos décisions. Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure. On prend à notre charge, à la charge de TE44, une majeure partie, on va dire, de cette augmentation.
mais on se doit pour vous, parce qu'on est un syndicat élu par vous, d'avoir des finances durables. Et donc, on travaille aussi à se projeter dans le temps. On a pris des décisions sur le sujet qu'on vient de vous exposer, qui ont cours jusqu'au 31 décembre 2023 et d'autres qui ont cours jusqu'à la fin du marché 2025. Mais on travaille évidemment à se projeter sur les marchés suivants, etc., pour qu'on garde toujours des finances durables. On passe maintenant au temps d'échange. Donc, n'hésitez pas, la première question est toujours la plus compliquée. N'hésitez pas à poser la question sur le chat et on relaiera et on répondra en fonction de nos compétences respectives. Merci à vous. Étant donné qu'il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat, n'hésitez pas à intervenir à l'oral si vous le souhaitez, en indiquant votre nom et votre collectivité. On va remettre le bio. Merci aussi. À vous. Et on met ton micro. T'as pas mis ton micro. Non, mais pas les gens. Et activez votre micro, bien sûr. Merci. Bien, en attendant, je propose qu'on prenne la slide suivante rapidement et puis ensuite je donnerai la parole à Raymond Charbonnier s'il n'y a pas de questions entre-temps. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet te44.fr. Vous aurez les documents, les informations, les actualités dont vous avez besoin. Sur notre page LinkedIn Territoire d'énergie Loire-Atlantique, toutes les activités ainsi que les différentes actualités sont publiées. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et même à adhérer. Sur notre chaîne YouTube Territoire d'énergie Loire-Atlantique, nous relayons notamment les replays des webinaires, différentes vidéos sur des activités, sur des opérations spécifiques. Donc, vous pouvez aussi vous connecter. Et puis, vous retrouverez le site internet de la société d'économie mixte ENR44. Pour l'instant, c'est toujours l'ancien, vous savez, ça s'appelait Sidela Energy 44. Donc, vous avez l'adresse en dessous. N'hésitez pas à vous connecter. Merci à vous. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, peut-être? Oui, bonjour. Allez-y, je vous en prie. Merci. Oui, bonjour, Hubert Rocher-Chauvet. Sur la commune, les enfouissements sont stoppés, et ce qui retarde le chantier actuel sur le chemin du Bourg et la route Saint-Père. Ce marché était donc pour effage. Qu'en est-il et à quel moment pensez-vous que les travaux vont pouvoir reprendre? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau marché d'appel d'offres lancé? Et est-ce que c'est sans doute pas effage qui répondra? Et quel est le délai, puisque pour l'instant, c'est ce qui nous bloque pour la continuité du chantier? Alors aujourd'hui, on est en échange avec Eiffage pour qu'ils s'engagent à réaliser le maximum d'opérations avant la fin de l'année. Donc comme on est en négociation avec Orange, je ne peux pas vous dire quel dossier va sortir par rapport à tel autre. J'ai pas dit non plus que c'était eux qui décidaient, hein, ça fait partie d'un échange et nous en fonction des urgences. Si votre dossier était prévu à sortir, il fait partie sûrement de la liste qui est en négociation aujourd'hui. Concernant, si on arrive dans une situation dure avec Eiffage, on est dans le cadre d'un marché public, on a la possibilité d'avoir recours aussi à d'autres entreprises réaliser les opérations pour le compte d'Eiffage. Donc, pour vous, ça sera transparent, ça sera juste un autre tiers. Et à compter du 1er janvier, de l'année 2024, on attribuera les opérations à une ou deux nouvelles entreprises qui auront répondu au lot qu'on aura lancé. Donc il y a un marché public qui va partir très rapidement. On est dans un délai correct pour permettre de le faire, puisqu'on est sur un volume plus restreint que le marché global. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc à partir de l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Et là, on le traitera au cas par cas et les équipes vont revenir vers vous individuellement en fonction des opérations qui seront validées les unes après les autres. En fait, ça évolue toutes les heures, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, à l'heure qu'il est, si votre dossier est pris en compte ou pas. Mais vous aurez, à mon avis, des réponses entre la fin de la semaine et la semaine prochaine, je pense. Il faut quand même... Je reprends la parole, là. Typiquement, on a un écueil. On est désolé de ce qui arrive. Je fais partie des collectivités impactées
par la désaffection des phages, c'est-à-dire que il était hors de question d'accepter une augmentation telle qu'il venait nous la faire, 30%. Toute collectivité aurait, que ce soit une commune, une communauté de communes, une communauté d'agglos, un syndicat, effectivement, ça aurait été très tendu. Donc, comme l'a dit Luc, il y a des substituts à la désaffection de cette entreprise. Après, il ne faut pas se cacher que c'est un caillou dans la chaussure et qu'on va avoir un peu de latence sur la reprise des travaux, la planification, puisque, y compris quand on va faire appel à des entreprises qui n'étaient pas sur le secteur, il faut aussi qu'ils dimensionnent leurs équipes. On a un problème dans ce domaine d'activité, c'est les entreprises avec les bonnes ressources. Donc voilà, ceci dit, on s'est mis en position, c'est pour ça qu'on vous alerte aujourd'hui, mais ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus. On a fait tout ce qui était en notre... tout ce qu'on pouvait pour ne pas arriver au clash, entre autres avec cette entreprise. Elle a choisi de dénoncer le contrat. On fait avec. On saura s'en souvenir d'ailleurs à l'avenir. Et je rappelle qu'on a essayé de. Si on en arrive là, c'était vraiment pour essayer d'atténuer le plus possible les difficultés pour les collectivités, parce qu'on est tous élus de collectivités. Donc on sait ce que ça peut représenter. Quand on a un programme, parce qu'on attend que la voirie se refasse, on attend que l'effacement s'unisse au niveau télécom. Voilà. Si on en est là aujourd'hui, on est un peu pris en otage. Enfin, ils ont essayé de nous prendre en otage. Voilà. Il y aura des impacts, mais on va les résorber. Mais il faut un peu de temps, ça c'est clair. Merci. 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 Merci beaucoup Raymond Charbonnier. Il y a une question concernant, je pense que Luc Giraudeau est en train d'y répondre, concernant la maintenance de l'éclairage public de Monsieur Garnier. Est-ce que vous voulez préciser quelque chose, Monsieur Garnier, ou la réponse vous convient? Allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci ouais. à vous. Alors, oui. Ouais. Sur la question éclairage public pour Monsieur Garnier, c'est OK pour vous? Alors, on va passer à la question suivante de Madame Rouvière. Donc, pour valider nos projets devant le conseil municipal, il faudra que vous nous donniez les nouveaux taux de participation de TE44. Nous devons passer un dernier projet d'ici la fin de l'année. Du coup, les taux de participation sont inchangés. C'est la base de calcul qui va évoluer avec en lien avec l'inflation. Et donc, du coup, pour tous les dossiers, pour tous les dossiers nouveaux, comme vous l'a dit Luc Giraudeau, on va vous communiquer les nouveaux montants. Pour les dossiers en cours qui ne seraient pas soldés, du coup, c'est le moment du solde où on vous enverra un avis de participation, un solde d'avis de participation avec des montants actualisés. Donc, c'est là qu'on pourra réouvrir un échange avec vous par rapport aux éventuels écarts qui pourraient y avoir. Mais là, désormais, à partir d'aujourd'hui, on va dire, tous les nouveaux avis de participation qui vous sont envoyés ou seront envoyés tiendront compte des nouvelles règles qu'on vous a indiquées, c'est-à-dire des durées de validité qui seront réduites à 3 mois, et puis la prise en compte d'un coefficient d'inflation de manière justement à ne pas avoir d'ajustement au moment du solde. Si vous avez des questions sur un dossier qui est déjà engagé, n'hésitez pas à contacter soit David Duros, soit Nicolas Charbonnier, qui sont les deux responsables de secteur que vous pouvez contacter sans aucun problème et qui répondront à vos questions, soit par mail ou soit par téléphone. Merci à tous. Il y a aussi donc la question de M. Garnier, quel est le taux de révision à attendre? C'est ce qu'on voyait sur la courbe qui était pour les travaux. Alors après, forcément, les taux étaient connus jusqu'au mois d'octobre, puisqu'on est finalement à 1,15 au lieu d'un 0,88 pour les nouveaux dossiers, je parle bien.
Et puis, bah, pour la suite, jusqu'à la fin de l'année, on a fait une projection. Donc là, ça, c'est des estimations. Il faudra en calculer. Si M. Garnier parle de des travaux ou de la maintenance, parce que là, on parle des travaux. Et la maintenance, donc, voilà. C'est ce graphe-là. Voilà, parce que la question, comme M. Garnier tout à l'heure parlait de la maintenance, peut-être qu'il voulait savoir pour la maintenance. Et ce qui est important pour la maintenance, c'est que la révision, le changement de coefficient de révision ne s'appliquera pas à la maintenance forfaitaire. Hein, et à tout ce qui est passé, donc curative et petits travaux jusqu'au 30 juin ne sont pas concernés. Est-ce que les réponses vous conviennent, M. Garnier ? N'hésitez pas à préciser si besoin. Et peut-être juste du coup pour compléter, on n'est bien que sur les dossiers qui ont démarré en 2023. Tous les dossiers 2022 qui auraient commencé en 2022 ne sont pas concernés par ce qu'on vient de vous présenter. Il n'y aura pas de révision autre que l'indemnité d'imprévision qu'on a déjà versée, NUTE44, à hauteur de 1 million d'euros. Voilà, qui n'a pas été répercutée aux collectivités et qui a été prise en charge par le NUTE44 en totalité. C'est-à-dire que si vous avez un gros dossier, par exemple, d'effacement de réseau, qui a été engagé en 2022 et qui n'est pas terminé aujourd'hui, il ne sera pas revalorisé. Merci à tous. Bien entendu, si vous avez d'autres questions entre-temps, pendant l'intervention pour clôturer le webinaire de Raymond Charbonnier ou même ultérieurement, et notamment suite à l'envoi de la présentation ainsi que du replay de la vidéo demain, n'hésitez pas à contacter les intervenants, soit par mail, soit par téléphone, comme vous le souhaitez. À tout moment, ils sont là pour répondre. Je vais maintenant donner la parole donc, à Raymond Charbonnier, qui va conclure ce webinaire. Merci. Ton micro, Raymond. Raymond, d'allumer ton micro. Pardon. Oui, merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour nous suivre. Alors, comme l'a dit Florence, tous les services sont mobilisés. Et je vous rappelle qu'il y a un site assez bien fait. Il peut toujours s'améliorer, mais de TE44, sur lequel vous avez plusieurs applications. CIDEPRO qui permet de voir où en est les chantiers sur votre commune. CIDEConso pour ceux qui sont, qui sont adhérents au groupement d'achat d'énergie, électricité et gaz. Ça vous permet point de livraison par point de livraison pour l'éclairage public et les bâtiments de voir vos consommations. Ça a été très intéressant l'hiver dernier pour faire une inversion et commencer la sobriété sur pas mal de entre autres sur l'éclairage public, mais pas mal de bâtiments. Il y a toujours des efforts à faire, mais vous voyez vos consommations. Il y a une autre application qui s'appelle Geolusque pour déclarer les incidents sur votre, pour peu que vous nous ayez confié la maintenance de votre éclairage électrique. Vous pouvez faire la déclaration des points lumineux qui sont défaillants. Plein d'autres choses, entre autres avec tout ce qu'on vous met à disposition au niveau des vecteurs d'information, les chaînes et les différents sites Internet. Et surtout, nous sommes la collectivité référente au niveau de l'énergie. Nous avons dépassé largement notre métier historique qui était autorité d'organisation de distribution d'énergie sur le département. On travaille sur la transition énergétique, on vous accompagne, on accompagne beaucoup en lien avec la SEM, d'ailleurs notre SEM, beaucoup les collectivités sur le développement des ENR. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on accompagne les collectivités par l'intermédiaire de leur EPCI sur la loi APER. On accompagne, on ne fait pas à la place. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous et surtout, les services sont énormément mobilisés pour pouvoir répondre à vos sollicitations. Voilà. Et n'hésitez pas, on est fait pour ça. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. À tous. Au revoir. Au revoir.